J'ai 4 ans, des sequettes, et la robe à rayures rose et bleue ayant appartenu à ma sœur Lily, morte il y a 5 ans, en plein chaos historique. Baba, on m'a surnommée pour Bernadette. Ce matin, ma mère nous a tous alignés sur nos petites chaises et nous a passé à chacun l'antique fer à friser venant de grand-mère obscure. Armande, ma sœur, Hercule, mon frère, puis moi. Quand tous les épis ont été définitivement éradiqués par la ténacité de maman, on a piqué dans mes bouclettes deux gros nœuds blancs. Ainsi, j'avais à peu près l'allure de ma cousine Yolande, qui a la chance de friser sans faire. Mon cousin Jean-Luc aussi frisait, avant qu'on ne le tonde comme un œuf, à cause de l'épidémie de poux qui sévit depuis avril. Ainsi, avec mes bouclettes, mes deux blancs, la robe à rayures de Lily et les chaussures d'Armande, je me suis rendue dans le jardin. Et c'est auprès du puits que je l'ai trouvé. Un moineau, gisant sur le sol, battant l'herbe, tombé du ciel à la renverse. Il avait les yeux ouverts. Un courant d'air gonflait doucement ses plumes. Et c'est à cause de ce vent frisqué que j'ai été obligée d'enfiler par-dessus ma robe à rayures une veste à carreaux, taillée dans une vieille couverture, avec trois gros boutons sur le devant et deux grandes poches plaquées sur les côtés. Ainsi, nouvellement attifée, je me suis rendue de nouveau dans le jardin et j'ai pris le piaf mort dans mes petites mains et je l'ai enfoui dans ma poche gauche. Ensuite, il a fallu partir. Je veux bien donner la main droite à Armande, mais pas la gauche à Hercule, pour l'unique raison que ma main gauche se trouve au fond de ma poche gauche et que je refuse de l'en sortir. Ma mère crie, je refuse. Ma mère menace, je m'obstine. Ma mère me flanque une gifle, je me roule sur le trottoir. Un nœud tombe dans le caniveau. Ma mère, rouge, en larmes, le ramasse et le repique comme elle peut. À midi, le soleil a très nettement réchauffé l'atmosphère. Mais je refuse toujours de retirer ma main de ma poche. Dans l'après-midi, je manque de mourir de chaleur. Personne ne parvient à me faire retirer l'affreuse veste écossaise. Alors, on laisse tomber et je passe cette sainte journée d'août, la charogne puante de l'oisillon au fond de ma poche. À l'avenir. Premier prix de lecture. Premier prix d'écriture. Premier prix de géographie. Mais pot de balle au gym. Au stade, je suis la proie du colibé. Allez, en avant, Hercule. Je m'appelle Hercule. Mais à qui la faute si je suis maigrichon et mal formé? À la vitaminose D. Et d'où vient-elle la vitaminose D? Directement de la guerre? De la pénurie, du manque? J'ai eu faim, j'ai toujours faim. Aujourd'hui, je m'empiffre, j'ai rempli de tout. Et j'ai goûté les apéritifs, les digestifs dans le verre de Germain Glotton.
Puis à 5 heures, je suis allé vomir près du tilleul. Et j'étais pris de colique. Au gros bonheur de maman, qui dansait avec Maurice Complot. Elle a dû venir m'essuyer la figure. Puis les fesses. Tout en criant comme une folle, que lui avons tous gâché la journée. La seule à que je fais m'amuser. Du coup, j'ai revomi une pleine cuvette. Et que maman est redescendue, Monsieur Complot faisait danser Yvette le Hareng, dont les cheveux ont fini par repousser. À nos héros. Oui, c'est moi, Armande. Oui, c'est moi, la teigneuse. Oui, je louche. Oui, je perds sans arrêt mes lunettes. Elles me font mal au nez, mes lunettes. Je travaille mal à l'école. Maman dit que c'est à cause de mes mauvais yeux. Et mon père dit que j'ai hérité de l'esprit borné de mon grand-père maternel. À chaque nouveau bulletin, il me menace d'une paire de taloches. Ce qui ne me fait pas apprendre mieux, je lui dis. Jean-Luc, qui ne perd jamais une occasion d'être méchant avec moi, s'est mis à chanter pendant le repas au moment où on apportait le dessert. Qu'est-ce que va choisir Armande? Je vous le demande. L'œil gauche visait le baba et le droit la tarte. Ce qui évidemment a fait rire Yolande, Hercule et même Gisèle. Tout l'après-midi, j'ai essayé de digérer l'affront. Mais les autres enfants me poursuivaient en hurlant « Baba tarte, baba tarte !» Sur mon ridicule, qui va me rester jusqu'à ce que j'épouse à 19 ans le fils Morton. Le soir, alors que je pleurais toute seule derrière le tilleul, j'ai enlevé mes lunettes à cause de la buée. C'est sans doute là que je les ai perdues. On ne les a jamais retrouvées. Et on a accusé Augustine Pau de les avoir raflées. Sans preuve, bien sûr. Mais ça ressemble tellement à Augustine d'avoir chipé des lunettes dont elle ne servira jamais. Tout le monde sait que c'est elle qui a raflé à Raoul son lot de pipe et à la pauvre Zaza Bolbec sa canne blanche. La veuve Pau vole depuis la ménopause. C'est pathologique, a dit le docteur Blandin. À tous ceux qui sont venus là avant nous et puis qui sont repartis. Celle-là, c'est ce qu'elle veut. Et comment je sais ce que je veux? Épouser un homme riche et ouvrir un salon de coiffure. Je coiffe déjà ma mère, Coco Tatin, mes copines d'école et mon chien, Lucien. À ce propos, les chapons sont fâchés avec Coco, ma mère, depuis qu'elle a donné à Scornio, qui n'a qu'une oreille et qu'elle a ramassé dans les ruines fumantes du cinéma celtique, le nom de leur fils unique, Lucien, éclaté par un obus sur une plage de Dunkerque. Ma mère leur a envoyé à travers la figure que leur Lucien est loin d'avoir été la seule victime de cette guerre, que son père, Jules Oscur, elle n'a pas eu la chance de le connaître vu qu'il a perdu la vie là-bas au fin fond des Dardanelles, que son Bernard à elle s'est lui aussi volatilisé et qu'il n'a pas eu, lui, la chance de mourir à Dunkerque, mais loin, là-bas, sur une oasis en Libye. Et que son frère, il a même perdu un bras à cause du conflit, ce qui a fait rire tout le monde. Et qu'elle m'a élevée toute seule et qu'elle a bien l'intention de faire de moi quelqu'un. Tous les jours, j'écris à mon père. Comme je ne sais pas où c'est le désert, ni la Libye, ni Kufra, ni l'Oasis, alors j'imagine une île. Comme celle de mon Robinson, que m'a offert mon parrain René la Douceur. J'imagine mon père, prisonnier sur son île, en tenue de Robinson. Et je lui écris tous les jours pour lui demander de revenir. Sur l'enveloppe, j'écris Bernard Tatin, île de l'Oasis. Et comme je ne sais pas où ça se trouve, je glisse la lettre entre les pages de mon livre et me sers toujours de la même enveloppe. Je suis sûre que les messages parviennent à mon papa. Je me demande pourquoi il s'entête à ne pas revenir. Heureusement,
Dans mon chagrin, je suis soutenue par mon désir de me marier avec un homme riche, comme Georges l'Exil, bien qu'il ne soit pas vraiment très beau. Oncle Raoul avant était beau, avant qu'il perde son bras. Je suis bien la seule à le plaindre avec maman. Je me demande pourquoi. À notre Sainte Mère. Je suis bête qui disent. Je suis la reine du malheur qui disent. Ils ont failli me perdre pendant l'exode. Je dormais à l'arrière de la camionnette, ils ont dit. Je suis tombée sur la route, je dormais toujours. Des gens m'ont ramassée et m'ont ramenée avec bien du mal à ma famille, qui ne s'était aperçue de rien. Ma mère qui disent, quand elle s'est vue enceinte, ma mère qui disent a essayé de se soulager le ventre avec une aiguille à tricot. Ils ont sauvé la future mère de Justesse et la future Gisèle de Justesse. Et c'est à cause de cet avortement avorté qu'ils disent que je suis bête. Mon père, ça pourrait être Gaston Popelure ou Polo, le frère de Joseph, ou encore un Ukrainien de passage. J'ai les pommettes saillantes, a dit ma grand-mère. Mais mon père, ben on ne saura jamais vraiment qui c'est parce que ma maman a fait son barda au lendemain de ma naissance et qu'elle est partie sans plus jamais donner de nouvelles. J'aime bien le chien Lucien, moi. Pourtant, à chaque fois qu'il me voit, il essaie de me mordre. À midi, j'ai essayé de lui donner un morceau de gigot sous la table et Lucien m'a attrapé la main, j'ai hurlé. Je suis vraiment la reine du malheur, ils ont dit. À Jeanne et à Raymond, nos voeux de bonheur, qu'ils soient heureux. J'étais rasé, en même temps que les autres l'année dernière. Ils ont remis ça cette année, à cause des poux. Je porte un béret. Foncé jusqu'aux oreilles. À 13 ans, je mesure déjà 1m73 et je porte encore des culottes courtes. Yolande a très peur de moi. Mais c'est Armand de ma tête de turc. Je n'ai jamais pu la sentir. C'est moi qui ai planqué ses lunettes. Ma mère, elle sert vous déranger. Elle parle toute seule, elle s'adresse de préférence à ses chaussures. Mon père a une poule, dit grand-mère. Aujourd'hui, maman est raisonnable. Elle paraît heureuse. Elle a gardé ses chaussures aux pieds toute la journée sans être tentée de leur raconter sa vie. Voir du monde lui fait du bien. Mon père l'évite. Il boit. Beaucoup. À la fin de la journée, il me botte les fesses parce qu'il me surprend en train de fumer en la compagnie de la fille des Kétifs. Je me vengerai. C'est juré. La correction est cuisante, surtout devant Marielle, la fille d'Équitif qu'on a invitée parce qu'on a le même âge. Ma mère, qui tout excitant est interdit, boit une liqueur, puis deux, et soudain je l'aperçois qu'elle enlève une de ses chaussures et la pose sur la table. C'est là que je m'enfuis, que je cavale à travers champs jusqu'au cimetière canadien et que je m'effondre hors d'haleine près du mur d'enceinte et que je fonds en larmes. Marielle m'a dit qu'elle me montrera des trésors si j'enlève mon béret. Je leur en veux à tous. Je ne m'aime pas. Et je porte à moi, depuis que je suis tout petit, un fort sentiment de honte qui se traduit par cette agressivité qui me vaut des raclées et qui accentue encore ma soif de vengeance. Mais dans 6 ans, je tomberai amoureux d'une institutrice. Et je partirai vivre avec elle, dans le Nord. Et je serai bon, pile pour l'Algérie. À tous ceux qui auraient aimé être avec nous en ce jour de famille. Je suis pas de la famille, moi. Moi, je suis la fille Kétif. J'ai le même âge que Jean-Luc, à 3 jours près. Je suis dévergondée. Selon ma mère.
veux coucher avec un homme. Pas avec Jean-Luc. Albert me plaît bien. Il m'a fait de l'œil. Et un vieux. Il m'a pincé la joue. Puis, il a mis sa main sur mes seins. Comme Suzanne. Suzanne, c'est ma mère. Comme Suzanne. Je me sens très avide. J'ai en moi un gouffre terrible. J'essaie d'imaginer qui sera mon premier amant. Je ne peux envisager qu'un inconnu. À l'amitié entre les peuples. Toi, tu t'es fait une magnifique raie. Tu as enfilé tes chaussettes, ton maillot de corps, ta chemise blanche. Et face à la fenêtre, tu t'offres un petit plaisir. À moi. Dans la chambre des parents. Ta mère te l'a pourtant bien dit. Puis ton père. Toi, tu t'es fait une magnifique raie. Tu as enfilé tes chaussettes, ton maillot de corps, ta chemise blanche. Et dos à la fenêtre, tu t'offres un petit plaisir. Et tu te contentes dans la glace de l'armoire. Dans la chambre des parents. Ta mère te l'a pourtant bien dit. Puis ton père, curé, docteur. Tu deviendras fou si tu continues à tenter de tripoter. Tu ignores que dans moins d'une heure, ta rencontre avec la sulfureuse, l'éblouissante, la splendide fiancée de ton cousin Boubou le Moulard va durant une semaine accélérer ton rythme masturbatoire. En effet, Albert, tu vas battre ton propre record. Puis te décider enfin à passer à l'action. Au soir du 8e jour de cette infernale cadence, tu vas rafler un billet tout neuf dans le porte-monnaie de ta mère et tu vas te rendre chez Léa Cordobès. Léa fait tout très bien. Elle est un peu lourde, mais tellement excitante. Hélas, Albert, ému par cette grande première, tu vas te répandre entièrement dans le lavabo avant que la grosse Léa ait le temps d'intervenir. Au jour meilleur. Dans moins d'un mois, ce sera fait. Je me sens toute chose. Est-ce le début d'un monde ou la fin d'un autre? Est-ce les deux à la fois? Il faisait froid. Raymond m'a prise dans ses bras par surprise. Il m'a embrassée. Et puis, il m'a dit « Je vous aime, Jeanne. Je lui ai tout promis. Le mariage, j'ai dit oui. Je veux des enfants. Beaucoup. Beaucoup. » Raymond m'embrasse dès qu'il me voit et dès qu'on est seul. Il pose sa main là ou là. Je sursaute chaque fois et je la lui retire. Trois garçons, trois filles, j'aimerais. Je vais quitter mon rôle de fille. Je veux être mère. Mais... pourquoi me faut-il un mari? À l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme moi une belle fille de 20 ans et qu'un bombardement allié vous démolit en même temps et les oreilles et le fiancé? On fait comme moi. On
développe une petite manie. Pas incurable, forcément, d'après le docteur Blandin, qui pense qu'un second choc pourrait me guérir. Voilà. Depuis la disparition de mon fiancé dans l'écroulement du Celtic, j'ai une marotte. Le gros ventre. J'en suis à mon troisième coussin. Je mène chaque coussin à terme. Je me laisse une semaine de répit et je recommence. On espère que une rencontre, un coup de foudre, me feront oublier cette déplorable obsession. On ne va pas jusqu'à espérer que je retrouve l'usage de mes oreilles. J'ai les tympans crevés. Mais ce léger handicap, hein, ne devrait pas m'empêcher de trouver un mari, de fonder un foyer et d'être heureuse, hein ? M'a hurlé le docteur dans le pavillon. Mais l'air n'y vibrera plus jamais dans le pavillon. Comme rien ne vibrera plus à l'intérieur de moi. J'avais un fiancé. On voulait un petit. On s'étendait dans l'herbe blanche, au bord des chemins creux qu'embaumait l'aubépine. On avait 20 ans. L'avenir devant nous ruisselait. Il y avait ce parfum d'aubépine, le bruissement des insectes et des feuilles, du vent dans les feuilles. Et il me disait à l'oreille des niaiseries d'amoureux, des petits mots gentils qui s'enroulaient à mon cœur. À la reconstruction, c'est affreux d'être timide, de rougir quand on vous parle. Maman, elle m'a prêté le costume de mariée de mon père, retouché par la cousine Berthe. J'oserais jamais le dire. J'aimais bien les Allemands. Pas tous les Allemands. Quelques-uns. La vérité, ma main seule, un brin trapu, avec une tête d'assassin et des yeux de petit veau, s'appelait Herbert. On m'a réformé parce que je suis poitrinaire. J'ai couché à 15 ans, avec une dame de 40. J'ai beaucoup toussé. Elle avait été opérée du ventre. Elle était fendue en deux, de façon oblique. De là à là. J'aimerais bien vendre des autos. J'aimerais bien avoir eu un autre père. J'aimerais bien être assis pendant cet interminable repas, à côté de Raymond Poquet. Ou de Raoul Oscur, le manchot aux yeux verts. Mais mon flanqué est Amédée à gauche et Mélanie à ma droite. Mélanie Oscur, née Poupard. Et ils ingurgitent, mastiquent, bavotent, avalent tout ce qu'on leur met dans l'assiette et dans le verre. Le pigeon bourgeoise, le trou normand, les haricots beurre, les entremets, les petits pois, la galantine financière, le pinot des Charentes, les massets de concombre, le riz à la César, les pommes dauphines et la bûche flambante. Et il redemande du lapin gelé et de la sauce périgueux et du Beaujolais cuvée 1935 du cousin Loridon, Isidore Loridon, cousin Germain, une maman qui a 62 ans passés et veuve de mon père depuis 3 mois à peine, va se foinguer 12 minutes durant, in the mood, avec Hippolyte Gloriette, dit Tintin, le grand-père de la stupide Gisèle, la reine du malheur, et sous l'œil torve de Rosa, qui a toujours été moche, bête et jalouse.
Faut dire, Tintin, même à son âge, vraiment bel homme. À la jeunesse. Mais profitez-en, mon Dieu! Anatomie comme à Gladys, ça les épate. Un sexe pile comme ça, ça les épate. De l'ancêtre à ce grand garlet d'Hercule. Bouboule, oui Bouboule, vous l'avez vu Bouboule? Il a des boulets radicales le gros François. Au Stalag numéro 2, dans le verre de Schleswig-Holstein. 4 ans de captivité, ça vous colle les os à la peau. Tiré à quatre épingles, cheveux luisants, lippes dédaigneuses, prince de Galles, je ne suis venu que pour exhiber ma 15 Citroën 6 cylindres et le cul et le nichon de Gladys. Ma mère, ça ne tarde pas à la bouche pincée. C'est quoi cette pelure? Elle voulait dire roulure, mais ma mère n'a jamais su manier l'argot. Et aujourd'hui, elle a l'esprit et le vocabulaire complètement perturbé par la robe en soie naturelle que porte divinement ma divine Gladys. À tous ceux qui ont souffert, que leur souffrance ait servi à quelque chose. Il a tenu à m'amener, il m'a amené. Je ne voulais pas. Mais il est comme ça. Je fais ce qu'il veut. Je fais toujours ce qu'il veut. Je suis bonne fille. Il n'y a pas à dire. De tous, c'est lui le mieux. À part celui qui n'a qu'un bras. Bel homme. Mais un homme qui n'a qu'un bras, ça n'est plus tout à fait un homme. Je lui ai demandé, que lui est-il arrivé à ton cousin ? Il a ri. Tu n'as qu'à lui poser la question. Je me vois l'en demander à ce pauvre garçon. Où et comment avez-vous perdu votre bras? Oh, pauvre garçon. Ce n'est pas un pauvre garçon, m'a lancé Bouboule. Personne ne doit le plaindre. Il a voulu un moment qu'on monte. On est monté. On a fait ça debout sur le palier. J'avais la frousse. Mais vous voulez comme ça. Et puis, je fais ce qu'il veut. Je fais toujours ce qu'il veut. Je suis bonne fille. À papa! Il m'a coûté un mois de salaire. Le complet 3 pièces marron à fine rayure blanche, en superbe similidra, qui m'a tout de suite prévenu le vendeur, doit éviter à tout prix de se retrouver mouillé, voire humidifié. Sinon la fibre synthétique, tissu de belle apparence, en se resserrant, en se raccornissant, en se rétractant, en
entraînerait le rétrécissement immédiat du costume de taille 44 en taille 36. Angoissé par la terrible éventualité, j'évite autant que je peux les postillons du centenaire. Je guette l'apparition des nuages dans le ciel bleu. Je tremble qu'une serveuse ne répande maladroitement le contenu d'une bouteille sur mes genoux, etc., etc. Trois heures de l'après-midi, comme il fait très chaud, je me mets à transpirer. J'entre dans un cercle vicieux dans lequel pénètre la trop excitante Gladys de Bouboule. Faut dire, avec Jeanne, c'est abstinence, abstinence. Je n'en peux plus. Je coule d'émotion, de désir, de chaleur, de trouille. Le costard fragile, à 8 heures, détrempé, se met à rapetisser comme prévu. À 9 heures, la veste craque dans le dos, les jambes du pantalon arrivent à mi-mollet. Je ne peux même pas faire danser ma petite femme. Je me souviendrai de cette journée comme la pire catastrophe d'après-guerre. Ah, mademoiselle, c'est comment déjà votre prénom ? À la jolie fiancée de Bouboule. Hip hip ! C'est gentil pour les autres. Tout le monde le savait. Que Ferdinand et moi, avant la guerre... Bon. Quand... Alice avait encore à peu près toute sa tête et que Bernard était encore en vie. J'aimais Bernard. Mais j'aimais aussi Ferdinand. Maintenant, ils disent que je... Bon. Avec Maurice, l'ancien capitaine de Joseph. Ils disent même que Paul et moi... Bon. Paul, l'ex-fiancé de Georgine, le réfractaire disparu dans les décombres du cinéma. Olympia ne se gêne pas pour dire que ma fille ressemble à Ferdinand. Quant à cette vipère d'Augustine, elle crie partout que si Alice a perdu la boule en 41, c'est parce que Ferdinand et moi... Bon. Et aujourd'hui, elle a le toupet de dire, c'est à peine discible, que je fais des bons pas catholiques avec Lucien. La preuve qu'elle dit, on ne donne pas un nom d'homme à un chien. Elle dit que Lucien est grand comme un veau et que même on nous aurait vu dans le buanderie en train de... Bon. Et... Et elle crie partout que la pauvre Alice, dès qu'elle me voit, elle entre en transe et que c'est une misère de l'avoir parlé toute la journée à ses souliers ou à son réveil matin, tout ça parce que Ferdinand la trompait avec moi. Mais Ferdinand ne la trompait pas qu'avec moi. Ferdinand est un coureur en partant vers minuit à l'insu de tout le monde. Il a essayé de... Et j'ai failli le laisser faire. Heureusement que... Bernard n'est plus là. C'est une question de... principe. De morale. À ma très chère femme, à son, à ça, à toi.
papa, tu es là, devant moi, et je te tiens, sur mon pied. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'en aller. Tu es casse-cou, soulier, tu voudrais bien sauter de la table et rejoindre ton frère. Mais je te serre à deux mains, je te tiens. J'ai un fils. Oui. Un petit poulet méchant. Avec un grand coup de petit poulet. Voulez-vous que je vous chante ? Oh, tire, lire, l'eau, tire, lire, l'eau. C'est ce petit poulet qui m'a déchiré le ventre. On a fabriqué le petit poulet dans une étable. Un 1er mai de juin. L'étable de la maison du garde-barrière. C'est ce petit poulet qui m'a déchiré le ventre. Oui. Et puis, il y en a eu des déchirures. Bien avant aussi. Dans les fumées, je l'ai vu, la maison du garde-barrière. Tout sautait en l'air. Ça sentait la sueur. Très fort, la sueur. Je n'aime pas cette odeur. J'aime le vide. Oui. Qui penche sur la margelle, à Saint-Léon. Mais tu te tiens comme une pince à linge ? Non. Comme une pince à linge ? Non. On ne m'échappe pas. Mon petit poulet est parti en courant. Il s'est sauvé, le petit poulet. On lui a coupé la tête. Ah, lui, là. Non, il sent la sueur. C'est vous, monsieur, la sueur ? C'est vous qui m'avez fendu vive ? Occupez-vous donc de ce petit poulet qui court sans tête. Et toi, tu restes là, sur cette table, bien devant moi. Comment tu t'appelles ? Dis-moi ton nom. Méchant, refuse de me répondre. Tu cocottes comme un petit poulet, sans plume. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Je m'appelle Alice. Oui. À tous ceux qui sont tombés. Allez, tout. Oh, ben voilà. Chère parentèle, sœur, nièce, grand-mère, cousin, cousine, chère oncle, chère tante, cher vieux bougre en train de sombrer, jeune con en marche, cher vieux mioche né pourri de la guerre, cher médaillon au combat, chère femelle gonflée de lait, rombière, puce à la bouton, mais je vous cache à la gueule! Exact. Moi, le planqué, le manchot, l'homme aux yeux verts. Vous êtes parti? Vous êtes gagnant. Vous êtes revenu, crotté, content, vainqueur braillant, lessivé, satisfait, pas un seul estropié. Pas un seul mot. Mais pavoisé donc, vermillonné, plastronné. Résistance, privation, souffrance, courage, vaillance et gloriole de souffreteux. Vous êtes-vous jamais demandé, moi, quel courage m'a fallu pour couper ce bras? Le gauche, m'a dit ma sœur, c'est le moins gênant. La seule à avoir cru à l'accident. C'est l'été, oui. Un beau dimanche, oui. La paix revenue, chantez-vous en chœur en levant vos verres à la fraternité des peuples. Finis les heures sombres, buglez-vous. L'humanité fait un grand pas vers la sérénité retrouvée.
en mesure la couleur des étangs. J'ai la douleur vissée au corps. Comme l'a rangé mon père, malheureux, soldat de l'armée d'Orient en déroute. Méricané, médaillé, libéré, sauvé de l'enfer temporaire. Il me reste du temps encore. Et pour toujours. Et jusqu'au bout, ce jus noir à me couler au creux des veines. Albert ! Lève mon verre à De Gaulle. On n'avait dit pas de politique. Si je l'ai déjà aimé. Je me demande même si je savais ce que c'était qu'aimer avant de le rencontrer. Maurice. Maurice n'a rien à voir avec Joseph. Joseph, il faut l'avouer, est plutôt du genre, disons, rustre. Maurice a une autre sorte d'éducation. Il est autrement élégant, Maurice. Monsieur que Joseph, qui plaît aux femmes, c'est un fait, je le reconnais. Si Maurice insiste un peu, je risque de lui céder, je suis consciente, mais pas tout de suite. A-t-il les mains chaudes? Je ne dois pas penser à ma pauvre petite Lily. Ma pauvre petite chérie, je te garde au fond de mon cœur. Il me presse. Vous conduisez merveilleusement bien, monsieur Maurice. Son regard, son souffle, sa bouche, sa main sur mon corps. Oh, je perds mes jambes. Cette valse, le beau soleil. Ce premier contact physique avec Maurice, oh, me font brutalement réaliser que j'ai proprement raté mon mariage, refaire ma vie, avec 3 enfants. Oh. Maurice, capitaine, emmenez-moi, tournons ensemble, tournons ainsi jusqu'à la fin du monde. Quoi, Hercule? Qu'est-ce qu'il a, Hercule? Il me demande, Hercule. Il est malade. Il a fait caca partout. Maurice, excusez-moi, mon fils. Oh, j'en ai le sourire qui tremble. Sale gosse. Ils auront la peau de leur mère. Pleure, Vermonette. Je peux verser des larmes sur ton minable compte. Attends, toi. Je t'apporte la cuvette. À ton bachot, mon grand. À ta réussite.
taciturne. Mon père était taciturne. On est taciturne de père en fils. Pas bavard. Ça non. On n'est pas bavard. Chez nous, pour tirer une parole de nous, faut se lever de bonne heure. Mon père, je me rappelle, ma mère s'arrachait les cheveux. Monette, elle dit que je suis rabat-joie. Je suis pas rabat-joie. Je suis ce qu'on appelle un taciturne. Elle dit que depuis que je suis revenu d'Allemagne, je desserre encore moins les dents. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je suis venu parce qu'il fallait venir. Mais c'est pas pour ça que je vais me sentir obligé d'ouvrir la bouche. Sauf pour manger. Et encore, j'ai pas d'appétit. Mais j'ai un fils, une vraie pipelette, et qui mange comme 15. Baba, ma fille, elle est comme moi. C'est une têtue. Armande, c'est pas de qui elle tient. Elle a perdu ses lunettes. Moi, j'ai jamais rien perdu. Par ma jeunesse. Ma petite Lily, j'en parle jamais. Monette me le reproche. Mais c'est pas d'en parler, ça la fera revivre. Alors, autant se taire ce sujet une bonne fois pour toutes. Monette, elle a besoin de voir du monde. Elle a dansé. Elle est contente. Elle a vu du monde. Mais maintenant, on va rentrer à la maison. C'est l'heure. Il est tard, et puis on a assez causé comme ça. Attends maman, à ton courage. Tu es pour nous un exemple et une... Et un modèle exemplaire. Suzanne, je vais demander le 15. Suzanne, ils ne peuvent pas faire plus de bruit encore avec leur casserole. Vous ne pouvez pas faire plus de bruit avec vos casseroles. Suzanne, tu m'entends? C'est moi, c'est Ferdinand. Je suis encore coincé par cette réunion de... Dis donc, faites attention quand vous passez, vous, avec la sauce. C'est la pure laine, merde. Suzanne, j'allais au moins jusqu'à... Suzanne, tu m'attends. J'amène Alice et Jean-Luc à la maison. Sauf que Jean-Luc a disparu. Celui-là. Quand il se décidera de revenir, il verra la couleur de ma semelle. Mais non, mais je suis pas violent, Suzanne, mais je ne supporte pas que ce merdeux... Allez-y, demoiselle. Passez, passez. Je vous tiens à la porte. Je suis dans le passage. Suzanne, je remets la main sur Jean-Luc. Je le fourre avec sa mère dans l'auto, direction Dodo, et je suis à toi. Mais où veux-tu que j'aille chercher l'animal? Allez-y, repassez. Allez-y, je vous retiens la porte. Une seconde. Suzanne, tu m'attends bien gentiment. J'arrive. Mais passez-moi ce baquet. Il fait trop lourd. Vous n'êtes pas d'ici, non? C'est quoi votre petit nom? Catherine? Vous finissez à quelle heure? Parce que si vous êtes libre, bah, je le suis aussi. Ah, il y a un fiancé. Ouais, dans ce cas, je vous rends ce baquet et je retourne là-bas, dans le cirque. Et une folle là-bas, qui parle toute seule, je vais rire. Elle a posé sa chaussure sur la table. Bien sûr, je vais rire. Je vais rire. Voyez-vous, mon petit, la folle qui vous fait marrer là-bas, c'est mon enfer à moi tout seul. Mon petit rongeur, ma petite croix à moi tout seul, mon petit calvaire. Petit Golgotha. Au recommencement.
proximité sacrément froide. Tempérament maigre. Trois enfants dans les jupes. Marie, honnête bonnet de nuit, je l'ai eu dans mon régiment. Jeune, jeune fidèle, tempérament maigre, fibre sexuelle, nulle. Mais ça se donne, mais pas à moi, à la danse. Mais rien ne passe par vos extrémités glaciales, Madame Blanchet. Mais un corps souple et docile, quand même. C'est un plaisir de danser avec vous, Monette. Vous conduisez merveilleusement bien, Maurice. Si je conduis admirablement bien, ça s'abandonne, mais c'est petit. Mais c'est timide. Donc, anticiper pour éviter les difficultés à venir, déplacer le problème. Le problème. Chercher le sérieux. Le définitif, l'immédiatement disponible. 10 ans de veuvage déjà, 49 ans bientôt, trouvé dans les mois qui suivent. Ah, un petit souci, Monette. Je vous en prie. Ah, votre fils caca partout. Dans ce cas, Madame Yvette Le Haran. Jolie rente. Grand nez, belle affaire. Aux deux marronniers prospèrent depuis la guerre. Âge. Petite soixantaine. Passé. Et quoi ? On s'en fout du passé ! Voulez-vous danser, Yvette ? À notre centenaire ! À toi, Adèle ! L'affection de tes héritiers ! J'avais beau redouter quelque chose de cet acabit, jamais. Pourtant, je n'aurais imaginé qu'il serait venu avec cette pelure. Je lui dis d'emblée à Bouboule. Où l'as-tu déniché? Dans un bordel de campagne? Une honte. Une pelure. Au bras de mon seul fils. Et ce jour-là, devant tout le monde. Et vêtu. Une robe en soie chère et des bas, le sac et les chaussures en peau. Que fait-elle dans la vie, la fiancée de Bouboule? Me demande perfide Olympia. Que fait-elle? Une honte. Mannequin, madame. Mannequin. Avec une avant-scène pareille. Et Mathurin, qui se met à se rincer l'œil, toi regardant ton assiette, je lui dis. Il avait le nez où il fallait, bien sûr. Mais te gêne pas? Vas-y, pendant que tu y es. Humiliez-moi. Ton seul fils, ça ne suffit pas? La honte de ma vie. On me l'a infligée aujourd'hui. À tous ceux qui n'ont rien fait de leur vie, comme moi. Elle est gentille, la petite amie de Bouboule. Gentille fille. Gentille, belle fille. Une belle fille. Bouboule, j'ai dit Bouboule, tu l'as bien choisi. Maintenant, tâche de la garder. Faut dire, leur arrivée dans la 15 Citroën, ça a produit son petit effet. La belle mécanique, j'ai dit à Bouboule. Maintenant, tâche de l'entretenir, j'ai dit. Gladys,
Et son vrai nom, j'ai demandé. Parce que ça sonne drôle. Elle fait des photos pour les magazines. Une belle fille. Tel que je le connais, il va se la faire voler. Il a toujours aimé ça, les belles carrosseries. Tel que je te connais, Bouboule, j'ai dit, celle-là ne va pas durer longtemps. Là, je ne peux pas refaire le coup de la DKW. Depuis qu'il est revenu de prisonnier, il me semble avoir un peu plus de plomb dans les semelles. Les affaires marchent au poil, il me dit papa. Si les affaires marchent au poil, alors, il n'y a pas de souci à se faire. Il est associé dans une affaire de pneus. Avec un type qu'il a connu là-bas. Un type de Marseille. Tel que je le connais, il va se faire couillonner par le Marseillais. Enfin bon. Ça Gladys, on peut dire, j'ai dit Bouboule, ça c'est une affaire. Et une belle occasion. Je veux dire, la 15. À vos noces de diamants. D'or ! D'or ! D'or ! C'est quoi, Louis, à ton avis ? Du veau ? Du cochon ? Non ? Pas du cochon ? Du cochon ? C'est écrit émincé au concombre. Du poulet peut-être. C'est bon. Ah oui. Fait chaud, Louis. Tu trouves pas ? J'étouffe. Enlève donc ton chapeau, Gabi. Ah non, j'ai raté ma teinture. Au fait, as-tu vu Albert ? Mais laisse-le tranquille. Ça va, Georgine ? Georgine ! Ça va ? Mais laisse-la tranquille. Je vais enlever tous les coussins de la maison, oui. Quand tu auras plus de coussins dans la maison, sa manie passera peut-être. Tu veux des tomates ? On n'arrivera pas à la marier, Louis, je te le dis. On n'arrivera pas à la marier. Mais pense à autre chose, Gabi. Alors, verse-moi donc un peu de vin. On n'a pas de chance. Albert est prometteur. Qu'il ne me ramène pas une traînée comme Bouboule, hein. C'est tout ce que je demande. Une traînée ? C'est bon ces pommes de terre faites comme ça. Tu trouves pas, Louis ? Ah oui, c'est bon. Et ton frère a encore bu ? Tu vas me dire que c'est la faute de cette guerre ? Ça fait 30 ans qu'elle est finie, cette guerre, Louis. Il aurait pu cesser de boire. Mais ça a gâché sa vie. Reconnais. On mange trop. Je vous dis. Elle aurait pu rester, elle aussi, sous les décombres. C'est ce qu'il faut se dire, Gabi. En un sens, elle a eu de la chance. À mon bras. Moi, je rigole tout le temps. Moi, je suis une rigolote. Alors moi, les réunions comme celle-là où on s'amuse, moi, j'en manque pas une. Maman, ça c'est Pierrot. Tu vas quand même pas mettre une robe mauve alors qu'on vient d'enterrer papa. 3 mois. J'ai dit 3 mois. J'ai pleuré, Edmond. Le deuil, mon petit, ne s'expose pas. Edmond, ça faisait 2 ans qu'il nous traînait sa tumeur.
Il était si diminué à la fin. On s'y était fait à ce qu'il nous quitte. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. Mais c'est ainsi que le monde fonctionne. C'est pas parce que j'ai du mauve, que j'ai bu des liqueurs, et que Tintin m'a fait danser un je ne sais pas quoi moderne américain, que je manque à la mémoire des noms. Pierrot, j'ai dit à Pierrot. Les morts, on les pleure. On rit et puis on pleure. Et moi, j'aime rire. Mais lui. J'ai 62 ans bientôt. Je suis veuve depuis 3 mois. J'ai passé l'âge de vivre. Faudrait que je vive en noir jusqu'à ma mort. Que je me ratatine sous l'abat-jour au bout de la table à faire des patiences. Mais toi, tu as beau être jeune, tu n'as jamais rigolé. C'est vrai qu'avec son poumon, quand il rit, il tousse. Mais c'est pas parce qu'on a un pneumothorax qu'il faut tirer une tête de carême. Surtout qu'on n'y est plus, justement. En carême. Moi, pendant la guerre, j'ai rigolé. C'était pas les cheveux, ni les bombes, ni toutes ces tristesses-là qui allaient m'empêcher de rigoler. À la paix. À fraternité. À la libération. À la liberté. Tel que je me voyais présentement, je tente, je dis bien, je tente d'avoir l'air digne. C'est-à-dire qu'en ce noble jour de commémoration, je tente de tenir la verticalité, de marcher droit, et ce, pour aller aux chiottes. J'ai apporté mon tribut personnel à cette commémoration. C'est-à-dire que je ne suis pas seul du tout. Je suis plein comme un tonneau. Et plein comme un tonneau, comme je suis, je tente d'aller satisfaire un besoin naturel, c'est-à-dire que, j'explique, j'ai m'en vais évacuer le trouble. Je pousse donc la porte. Je me retiens de justesse au changement. Et je tente, je dis bien, je tente de sourire à une face de mouche blême avec de gros yeux noirs, une bouche qu'on ferait bien écraser sous charme des germains avec une tapette à mouche. Je laisse néanmoins passer la mouche avec ses deux gros yeux noirs et sa face blême. Et j'attaque la montée. Escalier. Tu tournes. Et pour tourner comme ça, même pour un escalier, ce n'est guère honnête. Je hoquette. Par surprise, le hoquette prie. Je parviens à surmonter et dire la parole. Fermement arrivé à la rampe en barre de bois verni, je propulse ma carcasse vers le palier du premier où sont 6 élévateurs. Ce n'est plus moi qui monte, c'est l'escalier qui me descend dessus. Le mur, les fenêtres, les bars, les escaliers qui se tartillent les unes aux autres. Mais comment voulez-vous que Germain Glotton passe Riboui si l'escalier se met à se déguenillé tout seul? S'il me fait basculer d'abord à l'autre, Evelyn, le mur, Evelyn, la rambarde. Mais c'est le chat dans le merdier. C'est le chemin des dames qui recommence. Evelyn, le mur. Evelyn, la rambarde. Mais ça, tu s'arrêtes, t'engages. Une marche perfide vient à la rencontre de mon genou. Je manque de m'en prendre une autre dans la tronche. Traître de bouc, de foucheton, de fichu d'escalier. Vendez à la con. Ah, voilà la mouche qui a rien de pissé. Bonjour madame. Bonjour madame. Non, ne me relevez pas. Je descends tout seul. Et si j'ai envie d'installer mon cul sur cette marche, j'installe mon cul sur cette marche. Et voilà. Madame la maréchale, patati, patata. Voilà devant toi. Comment vont les affaires, Yvette? T'es pas honte de regarder sous ma jupe? Ah, j'avais raison. C'est une honte. C'est une honte et c'est dégoûtant, mais c'est même carrément dégueulasse!
C'est dégoûtant. Hyper dégueulasse. Vous avez raison, c'est honteux d'arborer un guignol pareil. Ah mais c'est... Ça c'est pas de chance. Pendant que je suis en train de deviser avec vous sur la misère du monde, il y a mon pipi qui s'est fait la mal tout seul dans l'escalier. Ça, c'est pas mal là. À la décennie qui vient. Non merci, je ne bois pas. Merci, je ne fume pas non plus. Et si vous pouviez souffler ailleurs, sans gêne, il souffle sa fumée. En plein dans mon nez, il la souffle. Et cette musique, ils appellent ça de la danse, à leur âge. Lui, quand il a son cou dans le nez, il se déchaîne. Et l'autre, à se dandiner en mauve, en deuil. Ah, merci! J'ai des pieds, mon oignon, en plein sur mon oignon. Ah, de quoi se trouver mal, hein? Oui, ma Gisèle, va rentrer. On attend que ton grand-père ait fini de faire l'américain avec ta tante. À la cuisinière. Yvette, qu'est-ce qui vous arrive? Il est arrivé quelque chose! Elle est dans tous ses états! Enfin, voler quelque chose? Pourquoi dis-tu ça, toi? Cette ivrogne. Cette éponge. Ce. Qui? Ferdinand? Amédée? Tintin? Mathurin? Qui? Ferdinand? Tintin? Mathurin? Qui? Germain! C'est Germain! C'est Germain! C'est Germain! C'est affreux. Il m'a... Oh! C'est affreux! Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il lui a... Oh, c'est affreux! Il lui a... Oh, c'est affreux! Il s'en est avancé. Des horreurs! Encore! Sur mon... sexe! Encore! Il a remis ça. Cette vieille histoire. Quelle vieille histoire? Sur le... tapis. Patata, nous voilà. Patatois. Mais enfin, Yvette, tout le monde sait bien que tu as été tendue par erreur. Et puis regardez, Yvette, comme ils ont repoussé Dru. D'une certaine manière, vous aviez de mauvais cheveux. Eh oui. Et qu'on sait que Georges et toi, vous n'avez jamais collaboré. Tout de même, c'est pas de ma faute si les Allemands venaient dans mon restaurant. Je pouvais pas tout de même fermer, tout laisser partir à volo, me ruiner, tout de même. Bien sûr que oui. Et qu'on sait que Georges et toi avaient toujours été gaullistes. Georges, mon Georges, depuis le début, à cause de ce petit merde de FFI. FFI de dernière heure, oui. Tout le monde sait bien que Georges a rendu des services. Pour en rendre, il en a rendu. Tout ce qui nous venait des Allemands, on le rendait dès que c'était possible. Eh oui, on sait bien que tout le monde ne pouvait pas en faire de la résistance. Alphonse y a laissé la vie, mais quoi? C'était la guerre. Alphonse y a laissé la vie? Il est mort en 46. Livia est mort en 46. En octobre 46, oui, mais des suites. Des suites? Il est parti. De quoi? Il est parti de quoi? Ça, on le sait. Dis-le. Des services. Il en a rendu. Alors, quand ils nous ont... Ça va, Augustine, ça va. Tout le monde sait qu'Alphonse, il avait la ch'touille. La ch'touille? Alphonse! Qui donc vous dit qu'il avait la ch'touille? C'est de ça qu'il est parti. En tout cas, toi, Olympia, tu n'as jamais risqué de l'attraper, la ch'touille. Ça doit être beau, là où je pense, depuis que le père Loridon n'a pas visité ton trou. Ce qui doit bien remonter à 1922.
Mais la vie, voilà. Ça s'est envenimé d'un coup. Je suis une gars avec ma belle-sœur, on entend des cris. Les trois grâces étaient en train de se crêper les cheveux. Personne n'a vraiment compris le motif de la bagarre. Puis tout le monde s'en foutait. Faut dire. Là-dessus nous arrive la gamine de Joseph, qui pleurniche qu'on lui a chipé ses lunettes. Là-dessus la bagarre repart. Olympia, Augustine, accusant Yvette. Là-dessus, Alice nous pose sa chaussure sur la table à côté de l'assiette. Puis encore là-dessus, l'autre, le fiancé, avec son costume au rabais, qui pète par tous les bouts. Et Rosa, par là-dessus, qui me fait son nez parce que je danse avec sa sœur. Quand madame fait son nez, c'est que madame a quelque chose qui ne passe pas droit. Bref, là-dessus, ça s'est calmé. Sauf Rosa qui continue à faire son nez. Elle fait son nez depuis que la fille a fichu le camp, nous laissant Gisèle sur les bras. Tiens, celle-là, j'ai oublié. On lui a pourtant dit et redit de ne pas s'approcher du chien. Il l'a mordu jusqu'au sang, l'animal. Elle a une tête qui ne lui revient pas, cette bête-là. On lui a dit, Gisèle, tiens-toi éloigné du chien. Mais non, elle y fourre carrément la main tout entière dans sa gueule au chien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Aucune différence entre le bout de bidoche ou autre chose. Il croque tout cru. C'est évident. Enfin, pour vous dire. Au progrès, tiens. Je l'ai vu. Le père de l'œil à la petite. Je sais qu'il est allé téléphoner à sa poule. Devant nous. Devant ma fille. Misère. Et le gamin? Où est-il? Bon, comme son père. Une vraie tête à claque. Qu'a-t-on pu faire au bon Dieu pour qu'il me punisse ainsi? Tout le monde porte sa croix sur cette terre. Et des épreuves, chacun en a eu plus que de sa part. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Et le Seigneur a ses raisons que je n'ai pas à chercher à connaître. Ces pauvres gens à côté qui ne sont jamais revenus. Ma fille est folle. Mon gendre est un coureur de jupes, un vaurien, un coq de basse-cour. Mais je ne me plaindrai pas. Non, non. Je ne me plaindrai pas. Et voilà l'autre. Il nous fait s'atteindre de sa tête de sainte martyre depuis que son Bernard a été décoré à titre après coup. Pauvre homme. Je ne souhaitais pas sa mort. Mais Dieu du ciel, elle est mon coureur de gendre. Enfin, le Seigneur a ses raisons. Ils ne sont pas les miennes. Encore heureux. Monette est heureuse. Joseph est sérieux, trop sérieux. C'est Amédée qui trouve. On n'est jamais trop sérieux, je dis moi. Le Seigneur nous a fait à son image et le Seigneur n'est pas comique. Quand je vois l'autre venir me saluer, « Bonjour, mère. Tout va-t-il comme vous le souhaitez ?» Je fais comme si je ne savais pas ce que je sais qu'il est. Que puis-je faire d'autre ?
sans Dieu, a libéré la France avec de l'âtre. Il offense Jésus-Christ, la Sainte Église, ma fille. Mais il a libéré la France. Que voulez-vous redire à ça? À la gloire de nos soldats. À nos héros. Amédée, Amédée, il est toujours passé au travers. C'est vrai. Et trois coups. C'est vrai. En Sedan, j'étais encore ma mère. De 14, j'avais un demi-siècle de vie derrière. Moi, la dernière, on parle même plus. Arthrose aux genoux, ma vie où je pense. Amédée, Amédée, il a eu que des filles. C'est vrai. Et deux filles. Et j'ai deux gendres aussi. Et puis j'ai eu un frère. Qui lui, n'y est pas passé à travers. Où qui sont ces restes à Jules? Où qui sont ces restes? Font de l'eau? Chez les crades? Ou chez les Turcs? Et qui a recueilli René et Coco et Raoul? Et quand René est parti à son tour, Raoul, ils sont tous là à critiquer. D'accord, chacun doit faire son devoir. Mais là, il y a des circonstances. D'accord, on doit tous y aller. Oui, vous voulez, vous ne l'avez pas faite. Les poumons. Fils de Victor, hypérite, mon gars. Et je rends ma cuillère 6 mois après. Les poumons. Ah, les poumons. Passez-moi dans la salade. Moi, c'est l'arthrose. Et la cataracte, a dit Blandin. C'est incapable. Regardez la mer. Bon pied, bon oeil. Elle nous enterre, hein. Et l'ancêtre, beau-père. Ah, c'est mon beau-père. Ah oui. Quand ces deux-là ont cassé leur pipe, je serai le premier sur la liste. Ah oui. À nos descendants. Et qui sont moins bêtes que nous. J'aime bien manger. C'est bon de manger. Dans le temps, hein. On mangeait pas tant. Donnez-moi du fromage, jeune homme. Il est tout maigre. Il ne mange rien. Le pain, m'aider. Vous. Alors vous êtes le fils de Rosa, de Olympia, le fils Tache, quoi, celui qu'on a enterré. Pas vous, non, votre père. Les morts, jeune homme, je les recompte tous les jours. Anselme, Gaston, Anselme, Marcel, Bournachou, Élie, Carré, Justin, Jacob, Anatole, la planche Henri, la planche Joseph, la planche Vincent, de la Morinière, Gustave, de la Morinière, Charles,
Mornas, André. Oscur, Jules, mon fils, Oscur Marcel, son cousin, mon neveu, Pelard Pierre, Petit Bois Louis, Pouquet Julien, Poupard Lucien, mon neveu, Kétif Jean, Kétif Robert, Richard Mathurin, Sans-Foi Raoul, Trichet Pierre, Trichet Victor. La première vague. La deuxième. Amouroux Francis, Colombe Jean, Chapon Lucien, Mornas Raymond, Paterne César, Tatin Bernard, Zenato Louis. Le fiancé de mon arrière-petite-fille, il n'a pas eu droit au monument. C'est un cinéma qui lui est tombé sur la tête. Il était... Il ne voulait pas y aller, là-bas, travailler pour eux. Je le compte quand même. Pipornel, Paul. Je récite ça comme un chapelet. C'est bon pour la mémoire, à mon âge. Prenez donc du fromage, mon garçon. Il est tout séco, il ne mange rien. Comment voulez-vous qu'il trouve une femme? Manger? Allez, mange! Je vais te faire manger, mon garçon. Il faut engraisser, mon garçon. Il fait pitié à voir. À tous ceux que nous avons aimés. Et à tous ceux que nous aimons. J'ai l'âge. Mais déjà mort. Désenterré nu. Moi qui suis là. Et qui ne le suis déjà plus. J'ai la tête qui regarde derrière et qui ne comprend plus rien à ce qu'elle a cru voir. La petite fille est venue, son cadeau, je l'ai dans la main, là. Il est doux, il est froid. Un paquet de plumes noires. J'ignore ce qu'elle veut que je fasse de cette plume défunte, soyeuse. Mes doigts se serrent, tandis que vient à moi par la fenêtre l'ombre du soir, glissant sur les grands arbres de la cour. Les feuillages sont durs. Les enfants jouent. Le haut du mur fuit. J'ai vu des scènes pareilles revenir, se rejouer, recommencer. Un coin de portail. J'ai l'âge des enfouis, des déjà partis. Des regrettés, des déplorés, des vaincus. Petit cadavre, petit captif, nous serons deux, petit tombé du ciel. J'ai le sourire débile de ceux qui errent au bord du vide. J'ai leur mémoire inutile. Les yeux, des chevaux usés au labour,
qu'il n'a vu du ciel, de la vie, qu'un fragment du ciel au travers quelques branches. Je n'ai vu de la vie qu'un fragment du même ciel. La nuit va passer sur nous. Le jour redevenir blanc. Ton corps gonfle ma paume. Ils ont pour moi l'affection gauche qu'on a pour les choses fanées. Vieux vase qu'on a toujours vu là. On ne pleure pas ceux qui ont trop vécu. Dansez, mes enfants, dansez. La nuit vient. Dansez, dansez. À tous ceux